Le projet Accompagnement de la transition agroécologique par la recherche agricole de l'initiative Development Smart Innovation Through Research in Agriculture des IRA et exécuté par Enabel s'inscrit dans la dynamique de l'Union européenne qui vise à stimuler les innovations dans le secteur de l'agriculture et les systèmes de transformation agroalimentaire des pays partenaires en vue d'améliorer leur résilience aux effets du changement climatique. Un projet opportun pour répondre à la problématique de la pression sur les ressources en eau et la dégradation des terres et de la pollution engendrée par l'utilisation des pesticides qui entravent l'avenir du secteur agricole. Pour atteindre ces nobles objectifs, le projet TAERA a élaboré une stratégie adéquate. Pour atteindre ces objectifs, le projet TAERA utilise l'approche de recherche action participative en mobilisant les équipes pluridisciplinaires de recherche, les producteurs avec leurs fertiers comme le FENOMA sur le maraîchage, le CCRB sur le riz, la FUPO sur l'ensemble des producteurs, les entreprises agricoles qui s'intéressent à la production des intrants biologiques, les institutions de MAEP, les ONG pour l'identification, le test, la validation et la mise à échelle des meilleures innovations des pratiques agroécologiques, de l'irrigation et de gestion de l'eau. Pour accomplir sa mission, le projet TAERA s'est doté de partenaires chercheurs qui s'engagent avec enthousiasme et détermination pour la réussite du partenariat. Les partenaires de ce programme sont entre autres, au niveau recherche, nous avons la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, nous avons la faculté d'agronomie de l'université de Parakou, nous avons l'Institut national de recherche agricole au Bénin, et en partenariat avec l'Université catholique de Louvain, ces partenaires travaillent ensemble dans une stratégie d'accompagnement de la transition agroécologique à travers l'implication des doctorants et des masterants. Nous avons au total 4 thèses que nous allons développer à l'intérieur de ce programme. Et ces thèses-là sont réparties sur les aspects agroécologiques et sur les aspects de la gestion de la maîtrise de l'eau. Le président du Système national de la recherche agricole du Bénin donne ses orientations et attentes vis-à-vis du projet TAERA. Il y a d'abord qu'il faut aider à identifier les acteurs clés des terrains, les acteurs institutionnels, les acteurs individuels, pour le développement des innovations. Ça, c'est un premier. Et puis, pour la population sociale des innovations. Toutes les conditions sont réunies et les voyants verts pour la réussite de la mise en œuvre du projet TAERA.